Ok! Et salut à tous, c'est Recalcos, on est parti pour notre séance hebdomadaire sur World of Warcraft. Avec aujourd'hui, on va se faire chier un peu quand même, hein, comme un mercredi pour l'instant. Puisqu'on est encore en période de fête, c'est la deuxième et dernière semaine où la guilde est en pause, alors que j'ai fait qu'une ou deux séances de Daxtramas avant la pause. Pile poil à temps pour avoir un peu de stuff. Donc, du coup, aujourd'hui, deux petites choses à faire. On va faire un donjon random, rien à foutre. Qui me fera gagner un peu de thunes et qui va me permettre de profiter un peu avant la sortie Kata. Et après, je vais faire un peu de farming de métier. Parce que mon métier, il a bien évolué là. Là, ça y est. Là, on arrive au niveau de White of the Lich King. À 350, 375, c'est nickel. Donc là, j'ai une petite centaine encore à monter. Mais c'est déjà pas mal. On va faire une petite calligraphie mineure aussi. Hop, qu'est-ce qu'on a? J'ai appris vol à la tire, très bien. Super! Super! On va voir que je fasse ça tous les jours pour avoir à peu près tous les mineurs des différentes classes. Honneur au roi. Alors, on va quand même mettre dans ma banque tous les trucs là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire bien comme donjon aujourd'hui? On va éviter les... C'est dommage parce que c'est ceux qui me permettraient de gagner pas mal de thunes. Mais comme ça n'a pas changé avant 14... La lumière soit avec vous. Là... On va faire comme ça. Mon coffre est dégueulasse, plein de trucs inutiles, hein, c'est bien. 4 sacs, ça suffira. Y'a qui aujourd'hui, passage? Ouh, y'a du monde. Y'a un autre. Y'a un autre druide dans ces. Y'a un autre druide. Ok. Je vais vérifier si le coffre de guilde va bien. Que je rappelle, j'ai accès, donc si j'ai envie de piquer des trucs, je pique des trucs, si j'ai envie d'en déposer, j'en dépose. Donc j'ai reposé ça parce qu'hier c'était dégueulasse. Et moi, mon objectif final, c'est d'avoir assez de stacks de trèfle. Ça, il faut que je les enlève. Je pense qu'une soixantaine, ça devrait être bon. Là, bientôt la soixantaine, là pareil. Là, on a des tigivres, on va dire que tout ça là, c'est que ces stacks là. On peut limite les enlever parce que je pense que deux colonnes comme ça, c'est déjà pas mal. J'ai peut-être embêté. Hein. À moins qu'il faut ça, une colonne, pour faire un sac de tigivre, je vois pas l'intérêt d'en mettre autant. Ça, c'est bon. Ça, c'est mis de côté, du coup. C'est un peu le bordel, là. Je suis désolé, mais je fais ce que je peux. Là, il y a toujours de l'huile. Je sais pas pourquoi il y a de l'huile. On va remplacer par des plantes, ce serait mieux. Là, on commence à manquer, hein. Du flacon, tout ça. Par contre, on a des trucs d'enchant de partout, c'est un bordel. Je pense que ça commence à être plutôt pas mal, au niveau des cristaux abyssaux. D'or, ça c'est cool, on a du fil, pas mal aussi. Par contre, ça c'est problématique. C'est là le problème, c'est qu'au niveau minage, tout le monde a gardé. On a rien en minage. On a juste. Si j'arrive à les retrouver, parce qu'à chaque fois j'arrive jamais à les trouver, nos minerais en banque. On a ça, on a de l'acétitan qui est un mélange de ce saronite et de. Oh putain, mais ils sont où? Mais ils sont où? Oh putain! Et du titane? Non, ça c'est pas. Quelqu'un qui a pris les. Je les vois pas. Plus je regarde la banque, moins j'arrive à trouver des minerais. Ils sont où les saronites et tout là? J'en avais déposé. Tout ce qu'il y a d'amante et tout, ils sont passés où? Attention, j'ai pas regardé quand même ce qui a été extrait. Montre-moi. Les minerais de cobalt et les minerais de saronite. Gurzuk. Voilà. Moi j'ai.
Ouais, je pose deux trucs et hop, on m'a tout pris. Je vais déposer de la viande glacée. Donc c'était bien là. Et dans l'onglet bordel, normalement, bien là. Hein. Non, c'est pas dans l'onglet, c'est dans l'onglet 3. Onglet 3, Et je m'en fous des richesses. Voilà. Tutora a retiré les étoffes de Tisnéan. Oui, mais ils sont là. Tutora les a reposées à cet endroit-là. Ouais. Déplacer. Je déplace tout. Et je dépose. Hein. Gurzuk a mis de l'air. La Gurzuk qui gère aussi la banque. Ça évite d'être trop bordélique. Mais enfin bref. Peut-être une idée d'où est-ce que je vais aller là. Que je sais que ça change, mais je crois que ça a MOP que ça change pas à Kata. J'ai fait Stratholme. J'ai fait les Mortemines. Ah, je peux peut-être faire les profondeurs de Roche Noire aussi. Enfin. Le pic Roche Noire. Mais ça c'est. C'est à Wallord of Draenor que ça change. Je crois qu'avant ça change pas trop. On va aller jeter un coup d'œil. On va faire ça. Une trotte, hein, je pense aussi. Pourquoi à chaque fois que je vais aller à un endroit, c'est fossoyeuse. En fait, la seule chose qui me casse les couilles, c'est le fait qu'ils ont gardé le système des raids. C'est-à-dire que là, tant que j'ai pas un ami que je lui dis il faut que j'entre à tel raid, tu me laisses y entrer ou pas? Pour faire les vieux raids. Sachant que je pourrais même pas faire. Alors, Ankirage, c'est mort, c'est du 40. Je crois qu'il y a le Ankirage 10 qui est jouable. C'est le seul que je pourrais peut-être tenter de faire. Je peux faire Stratholme en faisant un peu attention. Après Karazhan, je suis pas sûr. Y a pas notre raid 10 d'ailleurs. Le Naxx T3 n'existe plus puisque il est au Rift of the Lich King. C'est le Naxx T7. Bon. Blague à part, je fais quoi? Je fais Roche Noire ou je fais. Je sens que Roche Noire, je vais me perdre à mort. Oui, on va faire Roche Noire. On va chercher de la thune en prio. Je vais pas faire sommet, je vais faire profondeur pour l'instant. Que voulez-vous? Alors, Marais des Chagrins, non. Steppe Ardente, oui. Terre Ingrate, oui. Steppe Ardente. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Pour se faire de la thune. Et il me semble que si je veux me faire le plus de thunes possible en totale liberté, c'est profondeur et pas sommet Roche Noire. Après, il y a Illu, je pourrais toujours lui demander. Parce que lui aussi, il adore faire les vieux raids. Mais généralement, il faut attendre Kata pour qu'on puisse faire du bon duo de raids. Déjà, sous l'eau, ça commence aussi. Ah, il est pas sur Discord. Il est juste connecté avec son ordi. Je vais lui poser la question quand même, savoir si ça. Ah bah il est déjà en Sanctuum Obsidian. Donc ça veut dire qu'il est en train de faire du raid. Pas à peine du tout.
Bon. 3945 de thunes. J'en ai perdu à cause du métier là. Fait mal hein. Non. C'est horrible parce que ça, ça n'existait pas avant. Authenticator Blizzard, service gratuit et simple d'utilisation. Faut quand même que je farme un peu de digivre, hein. J'en ai marre d'avoir des 50 Disney. Il me faut de la place. Hein. J'ai 8 emplacements, 12 avec l'authentificator là. C'est horrible parce que à ce niveau-là, il y a des donjons qui vont changer à partir de Kata, mais en attendant, il n'y a pas de fly, donc je suis obligé d'utiliser un fly et de dépenser de la thune pour me déplacer. Donc c'est chiant. Je suis tellement radin dans les jeux, hein, surtout. Dans la vraie vie c'est pas différent. Pourquoi je dis ça? Normalement Stratum c'était du 60, donc normalement les profondeurs c'est 55 à 60. Elle me confirme. La chauve-souris me confirme. C'est une chauve-souris, c'est... J'ai plus le nom de ces créatures. Voilà, ça va m'occuper. Avec de la chance, je pourrais peut-être commencer la quête de l'arme légendaire. Parce qu'il y a la Thunder. La Thunder, la vraie. Pas celle de Diablo. Et il y a Sulfuron aussi. Sulfuron que je peux m'équiper. Après... Je peux pas faire encore... Je peux pas encore faire Black Temple. Je peux pas encore faire... De toute façon, je peux faire aucun raid avant MOP, c'est ça qui est horrible. C'est... Ils auraient pu déjà enlever le système d'être à deux en raid pour. Je peux pas passer en groupe de raid. Alors que, à partir de MOP, comme ils savent que ça peut solot maintenant les raids, ils nous permettent de faire. Quand j'y solote, on peut solote vraiment une bonne partie des raids, mais ça reste assez compliqué pour la plupart. Oh. Faudra attendre Warlord de Draenor avant que tout soit solotable. Par exemple, avec un stuff MOP, on ne peut pas faire Ulduar en solo. À cause de Thorin, je vous montrerai quand on y sera, quand on fera les raids d'Ulduar et qu'on sera sur Thorin, je vous explique pourquoi on peut pas solot avant une certaine mise à jour. C'est un peu comme l'échiquier ou comme donc l'échiquier de Karazhan, mais on peut déjà faire la plupart des boss de Karazhan. On peut même choper la monture là, si je vois. Je sais pas avec mon stuff actuel si je suis assez puissant par contre. C'est qu'avec un stuff kata c'est jouable, mais avec un stuff Lich King je crois pas. Le stuff kata c'est vraiment un autre niveau à plus sérieux. Après il y a le stuff MOP avec des stats qui sont n'importe quoi, on est sur plus 1000 de chaque stat, ça comprend plus rien. À partir de Warlord of Draenor, ils ont fait une refonte des stats. Ils font que maintenant chaque point de stats se mérite en quelque sorte, mais font augmenter grandement la puissance du personnage. Et on parle pas du stuff héritage qui abuse énormément les stats.
fait que maintenant les mobs bas level jusqu'à Vanilla, ben tu les défonces. Alors vous avez vu comment j'ai galéré pour le leveling. Ces paysages vont changer. Vraiment, cette zone-là va être légèrement asséchée. Le barrage que j'avais visité dans un autre épisode. Je spoil, hein. Le spoiler alert kata pour ceux qui découvrent. Porte finalement bien son nom. Oh, ici. J'ai vu Eldemort. C'est ici normalement. Dans cette zone là je crois. Franchement je ferai ces quêtes là, je les ferai en live. Mes quêtes j'ai vu Eldemort, c'est juste énorme. Je sais pas si les Ophé ils existaient avant Kata, en vrai. Là les quêtes sont comme ça, mais plus tard les quêtes sont plus hardcore. Je pense que j'avais fait tous ces trucs. Donc les objectifs de certaines quêtes qui nécessitent de le faire rapidement. Enfin bref. Du Mankata. Avec la transmo, tout ça. Là, je peux juste changer de sexe. Quand on aura aussi le système d'artefacts. Qui se transforme en jouet parce que ça prenait trop de place. Tellement de trucs que les emplacements de sacs c'est important. Après, là, je me suis vidé uniquement pour me faire de la thune, hein. Et la profondeur, on va se faire un peu de thune aussi, hein. C'est un très 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 gros donjon, bien plus gros que Stratholm, et normalement si je me trompe pas comme je l'ai dit, je devrais trouver un vendeur à l'entrée du donjon. Par contre, il faut que j'y accède, et ici, il y a du niveau 80 qui veulent refaire les raids, ben, je suis un peu dans la merde. Normalement, il devrait y avoir personne. Et ça se passe tout à l'est. Voilà, ça faisait longtemps. Voulez-vous mon intro, c'était là. La première fois, j'y allais au niveau 40, je crois, alors qu'ici, c'est des niveaux... 56. Ça reste quand même une bonne zone, hein, de farming. Hein, ça, c'est plutôt bien amusé quand même ici. Salut, bonjour. Je vais pas vous répondre, je suis occupé, j'ai pas envie d'être emmerdé là. Ouais, quand même que je pense à avoir une monture aussi. Hein. Quand même plus rapide à papate. Papate monture. Soum de roche noire. Comment ça, il y a du 500 doré ici. Quoi?
Oh putain, j'avais oublié qu'il va falloir que je fasse 2-3 trucs pour y aller aux profondeurs aussi. Parce que ça se mérite à l'époque. Okay. Petite pause. C'est con que je peux pas regarder les nains où est-ce qu'ils en étaient parce que. Il me semble que. Leur roi nain n'est pas encore changé en pierre. On n'est pas encore à l'ère où il y a la dispute entre les trois factions. Là, on va aller voir les factions sombre-fer. C'est pour ça que j'y vais aussi aux profondeurs, c'est pour voir si les sombre-fer étaient déjà en mode vénère ou si il y avait autre chose avant. Sachant qu'au sommet, il faut attendre Wallord of Draenor, donc j'ai encore tout le temps pour visiter cette partie là. Par contre. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, oui, je n'ai pas le fly, donc il faut que je la fasse à l'ancienne, et à l'ancienne, je me rappelle plus du tout. Comment on va au milieu. Voilà la chaîne qui doit m'emmener. On a là-haut. En théorie, voilà, ça se passe là. Faut grimper. Et donc ici... D'après ce que j'ai appris, si tu avais un prêtre ici qui est en PVP sauvage en plus, ben tu pouvais carrément t'en prendre plein la gueule par du mind control. On va appeler ça le mindfuck. Ici, plus tard, il y aura un PNJ pour nous emmener directement, mais je crois qu'il faut que je remplisse certaines conditions, à savoir faire profondeur, roche noire. Pour l'activer, sinon il est pas là, ça c'était avant, après il apparaît par défaut. Pour l'instant, il faut que j'y aille à papate. Alors que le fly suffit amplement. À moins que c'est là. Ah si c'est là, il est là. C'est ce PNJ. Anaria Shola. Voilà, nous obtiendrons justice. Voilà, donc je lui remets un objet, comme ça je peux avoir accès directement à cœur de magma. On reverse ça ce soir. Welcome. À nouveau. Oula. Beef stick. Un tauren, j'imagine. Voilà. Que je vais aussi faire un point histoire sur les profondeurs de Roche Noire et ce qui s'est passé ici. De toute façon, je vais le faire quand même, que vous voulez ou non. Donc, on a une faction naine qui vit à Roche Noire qui s'appelle les Nains Sombre Fer. Et c'est un peu la merdouille. Hein. Moi, je connaissais au moment où le camp était divisé en trois factions et que les trois factions se disputaient le trône. Du coup, ça c'est avant. Les nains sont préférés en creuser les profondeurs alors que les orques sont au sommet. Le sommet est disputé, enfin Roche Noire est disputé entre Nefarian en haut et Exécutus en bas. Sachant qu'Exécutus a été découvert par les nains sont préférés par accident avec cœur du magma du coup. Et c'est à peu près tout. Et j'ai déjà un problème. Il est où mon vendeur ? Je ne vois pas faire 50 000 allers-retours. C'est que je regrette de ne pas être ingénieur.
évidemment, comme à l'époque, avant Kata, il n'y a pas de quête à faire ici. Du coup, il n'y a pas mon vendeur. Et là, c'est déjà des ennemis. C'est la merde. Je suis 48 ici. C'est pas du 60. Putain, c'est pas vrai. Je peux pas garder dans mes sacs, je veux vendre ce qu'il y a dedans. Bonjour, je cherche un vendeur. Bon bah, pas de vendeur en vue. Encore re-remplir mes sacs par accident. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des résidus sombres fer qui traînent de partout ici. On va voir les clés, les coffres. Non mais je peux pas alors. Bon, c'est qui pleure là? Tais-toi. Arrêtez de chialer, vendez-moi vos objets. C'est fermé. Je vais vendre. Putain, j'ai déjà rempli la moitié d'un sac, j'ai fait qu'un pack de mobs. Ce n'est pas encore. Ici, il faut de la luck, il me semble. Attendez. Attendez deux secondes. Ça veut pas dire que je suis en live, mais... Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un vendeur qui traîne en profondeur. Alors... Wow, classique. Profondeur. Roche noire. Vendeur. Faut un PNJ vendeur, bordel. Chiant. Bla 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 bla. Je m'en fous de la liste des quêtes. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement rentable, cette instance et le reste du complexe, hein, vaut bien au moins une visite. Les instants de cette fameuse montagne en présence de contenu final du jeu original ont été réalisés avec délicatesse, finesse et soin. Appréciez donc le spectacle en le terminant au moins une fois en entier. Il y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Hein. Oh là là, on va se demander de retrouver l'exemplaire du raid 40. Hein. Également, les armes ont un équipement de raid, principalement résistance au feu. Je m'en bats les couilles, je veux un PNJ vendeur. Je suis dedans, je connais, ça va. J'ai pas mon PNJ Kata, donc c'est chiant. Blablabla, bla bla. Mais je veux pas le nom des boss. Je veux un vendeur à proximité. Mon roche noir. PNJ peut-être. Il y en a pas, c'est la merde. Il y a pas des PNJ par hasard. Bon bah tant pis. Fait chier quoi. C'est là que je regrette de pas être ingénieur pour le GIF quoi. Faut juste un vendeur portatif, une merde dans le jour, quoi. C'est chiant. C'est la boufferie extrême. Là, c'est vraiment chiant, quoi. T'as un moyen amusant et tout de faire de la thune et t'es obligé de faire 50 milliards d'allers-retours juste parce que c'est mal foutu. Bienvenue dans WoW Classic. Vas-y, tu te fous de ma gueule, toi. À mort!
comprends pas pourquoi ils disent c'est pas particulièrement en fait. Il y a toujours un vendeur à proximité là je viens de me faire deux gold là. Hop, une clé. La bonne nouvelle c'est qu'il y a, il y a le trousseau de clé. Il va disparaître. C'est tellement de chemin juste pour aller jusque là, je dois le refaire, le nombre d'allers-retours que je dois refaire. J'ai passé plus qu'une soirée là. C'est 3 heures. Je vais à un ingénieur, il est là, il bouge pas. Un ingénieur qui a le vendeur portatif alias le div. C'est pas pour repas, c'est juste pour vendre mes objets. Et là c'est la merde hein. J'ai fait 3 pas dans le donjon, j'ai déjà presque un sac de rempli. Bon, avec un peu de chance, je peux m'amuser à jouer à ça. Hop, hop, hop. Comme ça. Je sais que ça va remplir au moins 2 stacks. Tant qu'il y a un PNJ ici, mais il est pas vendeur. Ça n'est pas encore utilisable. Il me semble. J'ai déjà commencé à combattre les autres. Un bon gros diamant noir. Il coûte la body XAM de 10 pièces. Ah non, même pas. Que dalle, vaut rien. Évidemment, etc. Si je fais des détours, le but c'est de m'amuser. Je sais qu'il y a un... Il y a pas de map. La map, il y a au moins pas mal d'étages. Là, je visite. Comment ça? Ouais, ouais, ouais. Il y en a dans le trousseau, ça. Allez, let's go! À mort! Oh, je vais ouvrir tous les coffres, c'est nickel. Faire là les trucs. Hein. Quand les résidus sombre fer, je sais plus où est-ce que je dois les changer. Je vais aller poser la question à la guilde, comme ça ça ira plus vite, ils savent. Ça va me casser les couilles. Je parle du vendeur. Une bombe. Re... Un vendeur. Proche de roche noire. Doudon. Point d'interrogation. Dommage, à Kata, il y a un PNJ direct dans le donjon, ce qui fait que tu peux vendre. Je le répète parce que la raquette. Du feu pour l'alchimie, tu vois. Record, salut. Vous disputez pas en me répondant les gars, ça me fait toujours autant plaisir. Journée quartier libre, tout le monde n'est pas là. Je ne me vois pas sortir ou rentrer quand même. Ou sinon, s'il est juste à côté de l'entrée, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas de faire des allers-retours, mais... Je vais pas sortir de roche noire, ressortir, rentrer. Je ne peux pas encore n'importe quoi. Lâchez les chiens. C'est pas lui. Je pourrais faire aussi...
la croisade. Et une tabarre de récup. Un arc, Raka a chopé un arc. Dommage. La transmo, c'est joli ou pas? On va laisser tomber, c'est de la merde. On m'a pas répondu quoi. Bon bah tant pis. Je remplis mes sacs et après je vais essayer de trouver. Bon, ça pue la merde. Et là on va essayer de faire tout le rez-de-chaussée, quitter, faire le premier étage, quitter. Et après c'est de l'impro parce que... Normalement il y a trois boss que je dois faire ici. Sauf si d'ici là j'ai déjà rempli mon sac. Faut aussi faire gaffe. Quand les résidus de sombre fer, c'est pas illimité non plus. Au bout d'un moment, truc il dit. T'en as plus de 200, c'est fini. Voilà, bien fermé. Hein. Ok, ça marche. Courage à toi. Moi ouais, je m'occupe. Je vais faire un peu de tuto comme tu peux le voir. Je visite. Voir s'il y a des différences entre Kata ou pas dans les vieux donjons. Ça m'occupe. Et t'inquiète pas que je monte mes... mon métier en parallèle. On en a besoin. Et encore, j'ai vraiment pillé les coffres. Ah, dommage collatéral. Ah, 13 pièces d'argent, le mob. On a un bon millier. Tchoum. Bon, faut quand même que j'aille dans le prochain lieu là. On va tourner un peu en rond parce qu'au début c'est ça. Très labyrinthique ici. Ouais, à peu près tous les donjons du WoW classique, Vanilla. Donjon qui sera séparé en deux parties après. Le donjon est quand même très très grand. Comme le sommet, je crois. Le sommet en deux parties aussi. Sachant que... Il va falloir que je tente... le titre de Jenkin. Parce que là, on est encore à la période où c'est encore disponible. Ah, je sais. Peut-être qu'il y a moyen qu'il y ait un PNJ qui pop à ce moment-là. J'ai rempli. Ah, c'est seulement 100. Un PO quand même, le stack de 100. Ça, c'est. Ça reste de la thune. Hein. Un arc qui vaut 2 PO. Bon. Arrête de chialer! De la viande, de la thune, de la viande, des étoffes. Il y en a qui rigolent, il y en a d'autres qui pleurent. Ce sort n'est pas encore utile. Je n'ai pas encore à l'attaque. Oh.
Ok. Ah là 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 là. Et je dois aller jusqu'à la zone cœur de magma pour pouvoir y aller. Chiant. Parce que oui, l'accès à cœur de magma, c'est sûr, c'est là. Et donc Naxxrama, c'était Stratum. La semaine dernière, je suis tombé sur une zone verte. Je vais pas aller. Allez, troisième sac. Boss. Oh. Clé de la prison. J'ai plein de clés. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir les portes. Et elle revient. Revenez. J'ai des renforts, sale bête. Avoir plus de clés que de coffres, c'est pas normal. Des clés en quadruple exemplaire. Mais j'ai plus de mana. De toute façon, tant que j'ai pas encore rempli mes sacs, je peux continuer. Pas là qu'il y a mon PNJ normalement. Mais je veux. Bon, je comprends pas pourquoi il y a crépuscule ici, il y a pas de dieu très ancien. Ah si. Et vrai. Il fait partie du crépuscule. C'est vrai, les seigneurs élémentaires font partie, même si à la base ils étaient là avant l'arrivée des dieux très anciens, pendant l'âge noir, ils avaient une place, ils avaient leur propre territoire. Donc ceci explique cela. C'est ça d'ailleurs que dans Kata on le retrouve, dans les terres de feu. Évidemment, pendant Kata, deux d'entre eux vont vouloir revenir à l'âge noir, alors que les deux autres ont décidé de vivre cette nouvelle ère avec nous. Sachant qu'il faut quand même respecter certains engagements. Je crois que le plus gentil des quatre, c'est des pions. Parce que seigneur élémentaire de la roche dans les tréfonds est... Elle veut rester dans les tréfonds, hein. Y a pas de soucis.
car de mémoire, chaque seigneur élémentaire à l'époque ont été bannis dans un plan élémentaire qui leur est propre. Et je crois Neptulon et la reine élémentaire, j'ai perdu son nom, acceptent ce genre de repentance. Bon, j'ai les clés de prison, mais je sais pas à quoi ça sert. J'aimerais bien vous ouvrir, mais ça marche pas. Ah non, ça c'est clé ombre forge. Moi j'ai clé de prison. C'est pas la même. Okay. Bon, il me reste à peu près quelques emplacements, donc je peux encore visiter. Après, il va falloir que je sorte. Alors, on peut visiter. Ombre forge encore. C'est fermé. Là aussi, ombre forge. Donc, c'est cette porte-là que je peux ouvrir. Ok. Pour l'instant, je la fais sans plan. Si je tourne trop en rond, je regarderai avec. Avec la carte. Sachant que j'ai à peu près 2 heures. Sang et tonnerre. Vous vendez rien, vous, non? Vous voulez pas m'acheter des trucs? Bah, va te faire foutre. C'est les noms des développeurs ou quoi? Ouvrir cette porte, celle-là non plus. Là, j'y vais, je tombe dans la lave, j'ai juste l'air con. Là, c'est un truc d'interrogatoire. Là, ça s'ouvre pas. Là-bas, c'est déjà ouvert. Non, c'est pas ouvert, je peux l'ouvrir. Allô? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, vendre mes objets! Chopin. Hein? Tueur des sommets. Qu'est-ce que tu fous dans les profondeurs? Ton but est de tuer les sommets. La logique. Je crois que j'ai trouvé ma destination. Super. Salut. Un trash loot, je crois. C'est pas un boss, ça. Ce sort n'est pas un peu. Viens, attaque! La combat! Révolte des plantes! Sur des goudous de merde! Comment j'ai pu choper l'arme à feu bleu? Comment il y a plein de nains là-haut? Qu'on va défoncer d'ailleurs. Ah, ils n'y ont vu! Et des gants, c'est pas du trash shoot. Bon. Mais normalement, on peut remonter ici. Et
Et là, on tue tout le monde. Je comprendrais pas la logique de m'avoir laissé partir après. Là, on a des tirs de feu, c'est pas mal. Fille, ce sort n'est pas arrêtez, je vous éternue. Allez, la thune. La thune. Sauf que là, on va me balancer des noix de feu, là, je sais pas quoi. Putain, j'ai oublié de niveau 5 le mob. Voilà, les cœurs de feu, ça, ça vaut de la thune aussi. Hein. 4 PA. Encore des coffres. Moi, j'ai toujours mon petit problème de PNJ à trouver. C'est-à-dire que le PNJ le plus proche se situe au bistrot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là aussi, il faut pas se paumer, c'est la fin de la première partie. Oh, de la couture! Je sais pas qui c'est qui aurait besoin de ce plan de merde. Alors qu'on arrive déjà à notre dernier sac. J'ai dû avoir fait entre 5 et 10% du donjon. Génial. Et là on est au niveau de l'écluse. Oh, du charbon carrément. Normalement... Je dois... C'est fermé. Ah, j'ai pas l'ombre fort. C'est ça qu'il faut que je bouge. Mais il me faut affronter un autre boss de mémoire. Mais avant toute chose, ce sort n'est pas encore. Oh, il est bon. Et de la thune, je suis désolé. J'avais dit que les spectateurs s'en prendraient plein la gueule. Je n'ai pas menti. Le problème, c'est que je vais arriver au niveau des coffres bientôt là. Je pense que je vais faire tout ça, après je vais devoir partir une première fois. Ça pour retourner, ouvrir les coffres et ressortir derrière, parce que je crois qu'il y a pas mal dans les coffres. Je vais essayer de nettoyer le maximum. Hop là, un pantalon. 3961 quand même, je ne peux pas encore de le rien. Laisser. Petit bonhomme de chemin. Faut s'enfuir. Je ne peux pas encore utilisable. On ne s'enfuit pas. Je voulais absolument avoir cette tarte à la cerise, fallait pas qu'elle s'enfuit. Et un bout de fromage aussi.
tout ça encore. Ce n'est pas encore prêt. Ce sort n'est pas encore utilisable. Ce n'est pas encore... Apocalypse. Apocalypse. Ok, pause. Je crois que là je finis de remplir ce sac là, avec tout ce qu'il y a là. J'ai nettoyé l'arène, nettoyé les profondeurs. Et maintenant, on va passer 5-10 bonnes minutes à trouver un PNJ proche de Roche Noire pour éviter justement de faire trop de chemin. Donc pour moi, le PNJ le plus proche, il est tout à l'est. Je suis sûr qu'à Roche Noire ils ont quand même mis des PNJ pour réparer tout à l'extérieur. Avoir un PNJ quelque part à Roche Noire, c'est obligé. C'est con d'avoir mis deux des raids les plus importants de début de jeu de Vanilla alors qu'il n'y a pas de vendeur à proximité. Il y a même des vendeurs dans le raid comme Ankirage par exemple. Attendez. Là. Ou au classique Roche Noire, vendeur ou marchand, n'importe quoi. Profondeur, donc je sais qu'il n'y aura pas. Bon, je cherche un PNJ. Je veux pas profondeur. Pour fendeur. Classique Roche Noire, marchand. Ça peut être comme ça. Hein. Tiens, on a un PNJ là. Le Warg Roche Noire, au sud-ouest. C'est pas un PNJ, c'est un mob. Il veut pas, moi je veux. Guide de tous les sacs disponibles, mais je m'en fous. En parlant de récompenses, les marchands des factions de l'aube d'argent de la Confrérie Vanguard, les sentiers. Hein, Roche Noire. Guide des profondeurs. Haut classique, profondeur. Bla 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 bla, on s'en fout des boss, bla bla bla. Nous du donjon, bla 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 bla. Ça blablate, mais j'ai pas de marchand, mais casse les couilles. Ou au classique Roche Noire et pas. Où est-ce qu'on répare nos trucs? On peut rien réparer, mais c'est de la merde! Sérieusement. Bla 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 bla. Ouais. Ouais. Un gros classique, c'était par contre. Blablabla 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 blablab
marchand. Oh mais sérieusement! Le PNJ le plus proche, c'est lui. Il est neutre. 50 PO le truc. Mais bien sûr au classique hein. Bon. J'ai trouvé mon PNJ. Maintenant faut y aller. Et d'abord je continue de nettoyer un peu, il me reste encore quelques emplacements de sac. Donc là, c'est de là que je viens, donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et on n'est pas prêt, hein. Benji est trop loin. Est-ce que plutôt... je devrais pas plutôt faire pierre de foyer et repartir après foyer. Meilleure solution que je peux avoir, que le PNJ nécessite de sortir de la montagne. Donc pas le choix. Oh, c'est un meubrard. Donne un bâton. La blague. Ah mais c'est toi qui me fais mal. Oups. Et tu es un civil. Et voilà le plus gros connard de l'univers. C'est ça parce que j'ai tué un civil. Dans toutes les galaxies, y a pas plus gros connard que lui. Fred. Tu es au top, au pinacle de la connerie. Bien joué, connard, tu remportes l'Oscar. Du coup, salut Gala au passage. J'ai pas l'habitude de passer par là, dans les profondeurs. C'est pas là où il y a les golems et tout, là. Apparemment si. Apparemment si. On va pas y aller longtemps parce que j'ai presque plus de place dans mes coffres. Donc je pense que je vais faire ce pack. On va faire une pause. Plus de points de chaîne. Bah oui mais là t'as dépensé pour rien. Il n'y avait pas de raison que de mettre ça tout de suite. Surtout que je rappelle, c'est limité à un seul par personne, par séance. C'est-à-dire que là, s'il avait assez de points pour en faire un deuxième, il était obligé d'attendre que soit il y a un problème, une petite coupure de ma part, soit d'attendre le prochain live. Ça coûte très cher en points, c'est pas pour rien. Avant c'était 50 000. Il n'y a que Araka qui a réussi l'exploit d'avoir les points nécessaires pour l'activer. J'ai dit que je faisais un dernier pack après c'est bon, mais j'avance encore. Ah non, on va s'arrêter là. Du chier quoi. C'est vraiment chiant, hein, surtout à l'époque.
Aujourd'hui, heureusement, ils ont fait l'exploit de mettre un PNJ. Oulala! Ouais, ancien, oui et non. Je veux dire, on est quand même à White of the Lich King classique, donc juste deux extensions d'écart. Et surtout que bon, là encore, ça n'a pas trop changé par rapport à maintenant. Je sais qu'il y a des donjons qui vont évoluer à partir de Kata, donc du coup, j'en profite pour redécouvrir. Mais là, c'est plus une redécouverte et se faire un peu de thunes. C'est pour ça que j'ai la problématique du ben, je vais devoir me barrer, j'ai pas de jeep parce que je suis calligraphe, donc j'ai pas de vendeur portatif, j'ai pas la monture pour pouvoir sortir et utiliser une monture, tu sais, parce que ça coûte cher, et il y a ça aussi, ça, c'est pas j'ai offert en lisant ces bouquins, je sais pas si c'est les bons bouquins. Là, je vais devoir quitter le donjon 2 secondes, faire tout le tour, refaire la route, retourner à Roche Noire et c'est bon quoi. Pour moi, le moyen le plus court, c'est pierre de foyer, parce que je me vois pas refaire tout le chemin inverse et faire un aller-retour comme ça, autant faire un aller simple. Et réparer au passage, parce que je sais pas s'il y a de réparateur en vrai. Et moi, le PNJ le plus proche, c'est sortir du mont Roche Noire à l'ouest. Il y aura un gobelin là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez? Je sens que les diamants noirs. Ça se vend pas finalement. Donc, là, je me fais un PO par ce stack de 200 et il y en aura plein. C'est cool. Ah, normalement, je dois atteindre les 4000 gold. Hein. C'est tout ce que j'ai là. Hop, 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 hop. 4000. Est-ce que j'arriverai facilement au 4005 ou pas? Ça, c'est une question. Donc, ça va me gêner, donc je vais mettre là. Que les esprits. Non, on retourne à Fossoyeuse en route vers Roche Noire parce que c'est le plus proche. Et nul! Est-ce qu'il y a un boost d'XP? À partir du Duar, il y a à nouveau le boost d'XP parce que. Voilà. Il y avait le boost d'XP avant White of the King, mais apparemment ils l'ont remis pour. Mais là pour l'instant, non, il n'y a pas de boost. Après, à voir si le boost d'XP il fonctionne aussi pour passer 80, parce que le boost d'XP il avait lieu jusqu'à 70. Parce que White of the King n'était pas encore sorti. C'est pour ça que j'en avais profité au début, j'avais un XP doublé. Bon bah je pense qu'aujourd'hui c'est mort pour remplir les coffres de guilde. Là cette vitesse j'aurais jamais fini Roche Noire. Hein. 22h15 j'ai fait... Alors, j'ai fait pas mal quand même, j'ai commencé à nettoyer. Il reste encore vraiment beaucoup. Je crois qu'à chaque aller-retour, ça va être encore plus long puisque j'ai tout le chemin du donjon à faire. Je sais que c'est un très gros donjon, donc je sais que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Je fais partie des réprouvés. Je sais pas si Kargat c'est plus rapide en fait. Non. Oh, je vais en profiter, je reviens dedans.
creux. Bon, j'ai un morceau en attendant. Hein. Mmh. J'ai complètement trompé. Non, le PNJ qui est le plus proche, c'est lui. Il y en a un autre ici apparemment qui est proche. Mais sinon... Chien. Demande combien il y a de thunes dans le coffre de la guille, j'aimerais bien le piller. Comme ça j'aurai le fly et j'aurai la monture marchand. Pouvoir vendre tous mes objets au fur et à mesure et après ben je rembourserai le coffre de guilde. Ce qui me fait chier, c'est que la monture en question que je veux racheter, je l'ai déjà sur mon compte de l'autre roue. On est à peu près entre 17 et 20k PO la monture. C'est ultra chiant de récolter de la thune. Déjà, j'arrive même pas à récolter les 5000 nécessaires pour améliorer mon fly. La seule monture qu'il me faudrait absolument. Ou un truc qui me permettrait d'avoir un marchand à chaque fois à proximité quoi. Comme le Jeeve, mais c'est l'ingénieur. On va voir s'il n'y a pas une monture qui coûte pas cher qui peut me donner un marchand. Ça va être chiant, non? Chez vous, marchand portatif. Et jouer de World of Warcraft. C'est chiant les guides de merde. Il y est là, il y est, c'est ça que je parle. Mais il coûte trop cher. Il est à Dalaran là actuellement. Tu peux l'acheter. Mais comme j'ai dit, il coûte beaucoup trop cher. Il faut entre 3 et 4 fois 5000 gold. Regarde, j'avais même pas un quart. Du coup, je suis contraint de faire tout ce chemin alors que j'ai juste à sortir du donjon.
faire quelques pas parce que l'extérieur du donjon c'est dans une salle. Et ça aurait été beaucoup plus rapide. Et comme j'ai dit, ça me fait chier parce que je l'ai déjà. Si je pouvais avoir un jouet ou le div, mais le problème c'est que le div c'est ingénierie et c'est exclu ingénieur. C'est-à-dire qu'un ingénieur peut pas te donner le div, ça c'est chiant. Et comme j'ai décidé d'être calligraphe, je vais pas m'amuser à tout recommencer parce que ça nécessiterait de monter le minage qui me casse les couilles. Et de monter l'ingénierie qui, je me rappelle, c'était chiant à monter aussi. Donc après je sais pas s'il y a moyen d'avoir un marchand portatif ou une merde dans le joueur. C'est ultra chiant. Ça serait tellement pratique là. Donc là je me suis trompé, je me suis mis en terre ingrate alors que elle est stépardante et tout à traverser. Enfin, c'est la gorge des vents brûlants je crois qu'il faut que je traverse. Ouais c'est ça. Là j'ai au terre ingrate, c'est à l'est. On va traverser la grotte là pour redescendre comme ça. Donc autant aller au step ardente et repartir vers l'ouest, refaire tout chemin et voilà. Et je pense que je vais pas m'amuser à faire ça longtemps, je pense que je vais repartir sur un autre donjon plus sympa. Tellement de thunes à se faire. C'est ça qui est chiant, c'est le paradoxe. Il y a moyen de se faire beaucoup de thunes rapidos, mais je suis contraint de perdre 10-15 bonnes minutes juste pour faire ça quoi. Et en plus je perds de la thune. Parce que là ça m'a coûté 20 à 50 PA là. C'est rapidement rentable une fois que je serai sur place, mais chiant quoi. Je vais pas m'amuser à piller le coffre de la guilde comme ça, quoi. Ça se fait pas. Un, ça se fait pas parce que je suis pas tout seul. Et de deux, les golds permettent d'acheter des trucs à l'HV à la dernière minute parce que les gens ont oublié de farmer leur compo quoi. Je peux pas piller le coffre de la guilde comme ça. Faut vraiment que je récupère toute la thune moi-même. Et donc je fais ce chemin à la con quoi. C'est chiant. Après je pourrais très bien... je peux tenter un coup de pute. Est-ce que j'abandonne l'idée et que j'essaye de récolter de la thune ou pas? Bon je refais quand même la suite parce que j'aimerais bien piller les coffres de roche noire. Parce que j'ai quand même mis une vingtaine de clés déjà. Je peux ouvrir une vingtaine de coffres et me faire plein de thunes. Et après, je vais jouer à un petit jeu. Parce qu'on est sur White of the Lich King et les calligraphes ont une particularité, c'est de compter sur la chance pour gagner beaucoup de thunes en peu de temps. Ou que dalle en beaucoup de temps aussi. En théorie, c'est dans White of the Lich King que je peux... looter quoi. Même pas des loots, c'est tu prends, tu le vends, ça vaut de la thune. Je pourrais même les vendre à l'HV. Mais ça double tranchant, ça nécessite beaucoup de farming, ça nécessite voilà, je vais faire ça je pense. Et vérifier si je peux l'avoir ou pas. Ah putain, faut que j'aille. On va regarder aussi combien vaut la monture comme ça si je veux faire des donjons plus tard. Enfin comme ça j'ai profité de finir la pierre de foyer pour piller les coffres roche noire. Et je vais monter un peu mon métier parce que sinon... Ça serait bête de pas en profiter en tant que calligraphe. On va voir si je suis aussi un chatter ou si c'est Akata. Putain si c'est Akata le truc. Ça vaudra plus rien quoi. Voilà, j'ai trois trucs. Soit je fais des quêtes ou je fais mes donjons comme prévu, mais le problème c'est que les donjons, ben, il me faut de la thune pour avoir le marchand, parce que là, hop, je serais déjà avec le fameux mammouth. J'aurais vendu mes objets et tout de suite je serais retourné pour me faire un peu de thune. Soit je
passe par la case FDP, je vais dans le coffre de guild, je prends toute la thune, je m'achète ma monture et je rembourse au fur et à mesure. Soit je tente la grosse luck totalement légale et j'en profite pour remplir les coffres de guild. Je pense que la solution est tout trouvée, c'est de passer par la case... Apprendre mon métier de calligraphe pour choper plein de thunes. J'en ai marre de faire tout ce chemin, quoi. Au bout de deux allers-retours, ça devient lourd. Encore, c'est même pas deux allers-retours, c'est... J'ai fait un aller-retour. Et un voyage à sens unique. Pour qu'au final, voir à quel point, même à l'époque de Vanilla, le jeu était très mal foutu. Allez, on retourne à l'ancienne, pareil. J'ai toujours la quête à faire, mais j'arriverai jamais jusque là-bas. Comme il est dit, dans Roche Noire, je dois aller jusqu'à quasiment la fin du donjon. Et comme j'ai dit, j'ai à peine fait 10%. Ouais, des morts. C'est mauvais signe, ça. Il y a du mort. Donc, normalement... Je vous montre... Si j'aurais eu le mammouth, j'aurais pu jusqu'ici. Voilà, il fallait que je revienne dans cette zone-là. Même au-delà de la chaîne. Hein, c'est, voilà. On a la chaîne. Voilà, c'est ici. Vous allez voir la différence. Hein. Vous avez vu tout le chemin que j'ai dû refaire. Et encore, le plus proche, c'est le PNJ proche du fly. Hein. Sinon, avec la monture, c'est ici. À partir de là, je peux plus utiliser de monture, rien. Et le donjon il est juste là. Donc faire des allers-retours parce que j'ai le mammouth, c'est pas très grave encore. Et je l'ai pas, donc du coup c'est chiant. On va essayer de le choper en urgence. On peut pas profiter pour faire des donjons classiques. En plus je suis un neuneu. Donc je me suis trompé de chemin. Attention, je vais m'énerver. Quand je m'énerve, je claque météore et allez tous vous faire foutre. Je me suis vraiment paumé, hein. Le donjon il est là-bas. Hein. T'es chiant toi. Bon, je viens de là-bas. Le donjon il est là-bas. Ça suffit! Donne ta thune! Donne ta thune! J'ai rien vu sur ce mode. Je vais pas te gâcher mes stats pour ça. Dans le donjon, par contre, c'est une autre histoire. Est-ce que sur ce côté? Bon, on va piller les coffres et ce sera bon. Après. Je vais quand même prévenir. Parce que j'ai vraiment besoin de prévenir pour piquer deux plantes, quoi. C'est débile. Autant piller les coffres alors que c'est important, ok. Ça se fait pas, mais. Piller les coffres de la guilde parce qu'on a besoin de place et qu'il y a beaucoup trop, c'est une autre histoire. J'ai vraiment besoin de le dire ou pas. Ça, c'est ombre fort, j'ai toujours pas. Il faut que. Je retourne au Colisée, que je remonte le Colisée. Pas encore. Je ne peux pas encore le faire. On se marre. Minerai sombre fer aussi. Ah, pourquoi il n'y a pas un vendeur ici? Il y aurait eu un vendeur, ça serait nickel, mais. Ils disent pas. Rien de bien. Un donjon de merde. Jusqu'à Kata, c'est un donjon de merde. À partir de Kata, ils mettent des PNJ à l'entrée. Dont un que normalement c'est un marchand, donc c'est nickel. De mémoire. Hein. Donc, normalement ma destination c'est là. Non, c'est pas là, c'est. Ah, qu'est-ce que je fais en fait, j'ai fait tout le tour. Je suis vraiment un abruti congénital. J'avais juste à tourner à droite, à gauche tout de suite et c'était bon. Pourquoi j'ai fait tout le tour? Parce que je suis débile, voilà, tout simplement. Pas réfléchir.
Bon, on est de retour. Par contre, je sais pas du tout où sont les coffres. Vraiment, ils doivent pas être loin. Ils sont à côté. C'est pour ça que j'ai pas fait ça tout de suite. Voilà, on a remboursé tout le transport pour revenir ici. Maintenant, c'est des profits, tout ça. Ça, c'est la suite normalement. C'est l'accès vers l'autre côté qui me permet de tout faire. C'est bien de redécouvrir les donjons quand tout est verrouillé. Ça permet de voir à quel point si tu connais pas, c'est la merde. Là, je vais tourner un peu en rond. Heureusement, j'ai pas fait tout le Colisée et tout ce qui est autour, donc il reste encore des choses à faire là-haut. C'est les cartes de tarot, mais vous voyez où je vais en venir maintenant, pour ceux qui connaissent. En espérant que ça marche, hein, que c'est bien West of the King qui propose cette calligraphie un peu spéciale qui permet de se faire de la thune, comme rester pauvre. Mais pour ça, il faut que je farme un peu. Bon, ici on a du dortoir, ici on a des escaliers, ici j'ai pas nettoyé normalement, ici, reviens d'accord. Ouais mais il y a des paysans partout ici, c'est pas le bordel. Ah, j'ai trouvé des coffres, ils sont là. On va voir si je vais vraiment me faire des couilles en or ou pas, c'est le moment. De vérité. En plus, on me redonne encore les clés juste à côté, c'est nickel. Et comme je suis tout seul, et bah tout est à moi. Je pense que dans Vanilla, ça a dû bien se disputer. Chacun devait ouvrir sa propre clé, tout ça. Donc, logiquement, mon objectif c'est d'aller de l'autre côté normalement pour continuer. Mais, on s'en bat les couilles. Là derrière, il y a encore plein de boss et tout. Je suis encore très grand. Je suis encore qu'à l'entrée en vrai. Ce sort n'est pas encore utilisable. J'ai pas de météore. Je ne peux pas encore. Agro ! Atium ! C'est pas là qu'il y a un coffre spécial aussi? Ah, de la thune. J'ai tué un chien trop chelou. La pauvre bête avait la rage. Voilà, il y a plein de coffres. Et le coffre, il faut la clé du gardien noir, oui. Combien de clés? J'en ai 21. Attention! Un gros sac de pièces et un petit sac de pièces, très bien. Plein de thunes. Hop.
plein de colliers. Dis-moi qu'il y a, il y a 18 PO là. Ce serait un gain de temps incroyable. T'as un petit sac de pièces, radin. Document légal et un faux document. Ouais, je peux pas, c'est un coffre un peu spécial. Je crois que c'est un boss ou un mob rare qui le lâche. Encore 14 clés et les deux tirs. Pourquoi j'ai que des petits sacs? Donne-moi les gros sacs là. Moi, j'ai plein de colliers, ça c'est bien. Faut pas confondre avec le ceinturon. Le ceinturon du boss, à lui tout seul, vaut plus cher que tout ce que j'ai ramassé jusqu'à maintenant. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah. Je crois que j'ai trouvé le gardien noir. De la tarte à la cerise. Sérieux là? C'est ouvert tout seul. Il y a toujours ça de bon à prendre. Alors, ben on a des documents. Putain, les documents ils coûtent cher. Hein. Wow. Ça, ça vaut que dalle. On a des petits sacs de partout. Petits sacs. Petits sacs. Petits sacs. Gros sacs. Petits sacs. Un petit sac coûte 1 PO. Un gros sac coûte autant. Petit. Petit. Deux gros sacs. Moi j'ai chopé de la pierre par accident. Attention, c'est parti, on va ouvrir les sacs. 11 pièces d'argent, super. Un seul pièce d'argent, super. Attends, c'est 1,64. 12, très bien. 5, ok. 12. Ouf. C'est un petit ça. Ah non, c'est un gros sac, d'accord. Les gros sacs vont me donner des PO. C'est bon ça. Un PO. J'ai bien fait d'y aller quand même, hein. Faire un peu de thunes comme ça. Piller les sacs. Un PO 38 pièces d'argent quand même. Plus ça, c'est pas mal. Hein. Bon, on va quand même remplir nos sacs, hein, puisque... Comme si j'en avais quelques-uns à ouvrir. Et après, on va monter un peu le métier. J'aurais quand même fait pas mal. On était au deuxième sac. On va se remplir assez vite. Je suis... Ah, dommage collatéral de l'autre côté, c'est dommage. On va pas en profiter. Ce sort n'est pas encore. Comment osez-vous être insensible à mes attaques? Vous n'y avez pas le droit, monsieur. Un paladin de merde.
ici il y a un boss. C'est qui il est, hein. Je ne peux pas encore le faire. On arrive à la forge. Viens par là, la suite. Suffit. Les assemblages ont de la thune sur eux. Je fais un schéma quoi. L'ingénierie, vas-y, fous-toi de ma gueule. Vraiment bien fait de d'être calligraphe parce qu'en calligraphie tout le monde s'en branle. Un métier pourri. Je n'ai pas de cible. Le métier est le moins rentable du jeu. Et pourtant, c'est vraiment ce que je pense. Ah, imaginez quand même dans le jeu un bouquin qui te montre quelques images de roches noires. Il y a beaucoup de points l'or ici. Allez, deux fois le même schéma, super. Bah, je vais quand même pas les mettre dans le coffre de guild, ça sert à rien. Au début j'en ai mis, mais le problème c'est que personne s'est servi. Donc, je vais pas souiller plus le coffre de guild. Ah, je vais pouvoir nettoyer une bonne partie du donjon. Et là, on va enchaîner des boss. J'en ai deux là normalement. De mémoire, j'en ai deux. Des noyaux, ça coûte la thune. Lui il va m'en donner plein aussi. Ce sort n'est pas encore utilisable. Ça peut t'aider. Hydraxien. Je peux être détruit par la volonté de Ragnaros. Ragnaros, le seigneur du feu, on a parlé. Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Il y a un PNJ, attendez. Ah, ça change tout. Un PNJ qui me vend des trucs. Je sais où est le PNJ en plus. C'est là où je pense. Donc là, on a l'écluse
d'où je venais. Je devais venir de là, il me semble. Là, on va passer. J'ai augmenté toute ma compétence en bâton et en def. En vrai. Non, j'ai fait deux nacs ramas. Bâton 389. Défense 400 sur 400. Mais bon, au max. Et pourtant, ça m'empêche pas de m'en prendre plein la gueule. Hein. Normalement, je vais avoir des skills contre des mobs qui ont une trentaine de niveaux de moins. Donc ça a monté vite en level, vu que je suis en train de faire le level. Parce que c'est un donjon qui a quand même pas mal de niveaux d'équerre, entre le début et la fin. Donc ça finit avec des 53-54. Putain, casse les couilles les paladins, vous êtes chiants. Les me stun comme des porcs. Oh, je t'ai eu avant le stun. Bon, il y en a un que je dois tuer ici qui me donne la clé. Pas ce genre de clé. On garde une petite douzaine. Je voudrais le refaire. Ouais, mais de rien, j'ai pris un peu cher. Allez, troisième sac. Vite là, faut dire que c'est quand même une zone remplie d'ennemis ici. On a partout, encore une fois, des chiens, des chasseurs, des paladins de merde et un boss. Ce n'est pas encore prêt. De merde. Ah lui, il est... Ce sort n'est pas encore utilisable. Ça suffit. Bon, qui a la clé? Personne. Non, pas cette clé. Rubis étoilé. Pas la même clé. Ouh la masse. De PO la masse.
un arc. Quasiment un PO. Toujours pas l'ombre forge. Ce n'est pas encore prêt. Je ne peux pas encore le lancer. Faut que j'aille faire demi-tour. Là-bas. Le boss en question. À partir de là, j'aurais pu refaire demi-tour, utiliser la monture et vider mes sacs à nouveau. Après, ça va être un petit peu long de faire des allers-retours. Même dans le donjon même. Oh, je me refais silence. C'est dégueulasse. Pas assez de mal. Suffit. Je vais mourir. Oh putain, j'ai pas eu le temps. J'ai pas vu que j'allais mourir. Je dois refaire tout le tour. Oh putain. Oh là là. Oh, je viens de là en plus. Non mais sérieux. Mal de raise, c'est parti quoi. J'étais sur le point de cliquer sur 100 de vie. Parce que y a un mob qui me silence en boucle et... J'avais plus les météores, j'avais les yeux trop plus gros que le ventre. Là je vais avoir du chemin à faire parce que je dois faire tout le tour pour entrer dans le donjon. Et après dans le donjon même, il faut que je fasse tout le tour pour tuer 4 mobs. Ah mine de rien, je vais être à 4100 PO. Pour vous m'apprendre. Donc ouais, c'est rentable de faire les donjons de temps en temps. Surtout quand tu veux rusher les montures. Ouais, c'est la roche noire. Alors normalement la particularité, je peux descendre dans la lave. Il y a un passage pour ça, je vous montre. Et plus tard avec la zone où il y a le retour de Nefarian, on pourra fly ici. Ah, par contre, je savais pas qu'on ne pouvait pas nager, enfin qu'on ne pouvait pas marcher sur la lave. C'est pas très grave, normalement le jeu. C'est pas par là le. Non, c'est par là. Je crois que c'était là. C'est
Petit passage sur la droite, on l'a vu tout à l'heure. Et on peut. Et... Voilà. Et les chaînes. Et voilà. Maintenant, faut arriver là-bas avant que les PNJ disparaissent. Enfin, avant que les mobs disparaissent. Alors, ça nécessite de prendre l'écluse, normalement, qui est là-bas. À droite, hein. Partie là. Pour aller direct à gauche. À gauche, c'est parce que j'ai pas la clé, j'étais à deux pas, d'avoir la clé. Et je crois que c'est ce boss là qui te donne la clé. Là, je ne peux pas y aller. Là, je suis coincé. Là-bas. Encore tout le truc. Non, là c'est. Non, c'est pas ça. C'est là. Voilà, c'est là. Derrière. Pour rappel, ça c'est le genre de choses qui devrait plus arriver à partir des MOP, puisque la mana, on s'en bat les couilles à la fin. Et là, je me suis fait avoir parce que manque de mana, force d'être silence. Je pouvais plus me soigner, je pouvais plus rien faire. Bah, ça a peut-être dû disparaître d'ailleurs. Là, des coffres. Une zone des ingénieurs. J'ai oublié de piller une culotte, tiens. Bon, ça va. Encore là-haut après. Il faut que j'active l'écluse et tout. Comme j'ai pas la clé, ben... Je peux pas. Ouais, ça va être vite réglé. Seulement ça qui va être fermé. J'ai fait cette partie là, il faut faire celle-là.
Pourtant, ça, tout ça, ça a disparu, mais c'est là-bas. C'est bon, ils sont encore là-bas. Non, non, ça c'est bon, ça c'est mon squelette, ça. Putain, ils ont tous disparu. Ouais, c'est les trois péteux ingaleux là qui m'ont tué. Espèce d'enfoiré! Sale bête! Sale bête! Et sale bête puissance 1000! J'ai perdu une fortune! Ouais, je vais faire facilement un PO ou deux là. Chier quoi. Parce que j'avais pas la clé. Allez, go! Même 3000 PV quand même, le boss. Il se défend. Ah. Bon, un petit problème. J'ai fait tout ce que je me rappelle de la zone à ma connaissance, je n'ai toujours pas ce qu'il faut. Ça veut dire qu'à Roche Noire, ou plutôt dans les steppes ardentes, j'ai une série de quêtes à faire pour pouvoir continuer. Alors, il y a encore une zone de profondeur que je ne sais plus. Là, je suis coincé. Il n'y a personne ici, hein, on est d'accord. Ça m'aurait fait un raccourci ici normalement. Donc là je vais devoir refaire tout le tour et vérifier un truc. Pourquoi? Pour un sac en plus. C'est pas très grave. Soit je peux quand même fermer l'écluse, soit je peux pas et c'est la merde en fait. C'est bien foutu parce que normalement voilà. T'arrives de là. Là t'as toute la défense naine. Que j'ai nettoyé à moitié, normalement il y a l'autre moitié qui doit m'attaquer, mais qui est là-bas. Mais enfin, je vais revérifier un truc. Ombre forge, c'est ça. L'île des ombres forges. Dragonnet d'émeraude. On va faire tout le tour, c'est chiant. Ça, j'ai pas de clé, c'est bon. Il faut le gardien noir, mais j'ai pas de gardien. Là-bas, c'est la suite et la fin. Oh, oh putain, j'y pense, c'est une zone chiante là-bas. Il y a une zone où je vais mourir en boucle. Oh, je vais la faire version... Si je peux y aller, parce que pour l'instant, c'est mal parti. Là-bas, c'est de là que je viens, donc normalement l'écluse, elle est... Bah, elle est là-bas.
Qu'est-ce qu'on a ici? Bon bah vas-y, vite ta vie. Hein. Ok, les... Je crois que je suis en train de faire demi-tour vers un homme normalement. Non, mais bon. Ouais, ça c'est le sanctuaire, ouais. On remonte là normalement. Ouais, c'est bon, c'est l'autre côté. Ok. Normalement, j'ai le temps d'arriver là-bas, j'y pense. J'avais oublié qu'il y avait un passage. Normalement, j'ai juste à faire ça. Si j'arrive jusque-là, hein, que j'ai pas rempli mes sacs. En étant camouflé comme ça, ça devrait aller. Sinon, c'est un peu la merde. Hein. Pas de météores à cet endroit-là. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il faut la clé Ombreforge que j'ai pas. C'est, et c'est ça qui me fait chier. Elle est où cette putain de clé de merde? C'est fermé. Je suis coincé là. Tout est verrouillé, tout est coincé. J'ai déjà fait tout ça. Et là-bas, non, je suis coincé. Là. Bon, c'est mort. Hein. Je vais pas continuer le donjon. Je vais pas m'amuser à tourner en rond, regarder la Solus. J'ai pas que ça à foutre. Ah non, là, j'ai nettoyé. Je pourrais redescendre de là. Il y a forcément un truc que j'ai raté ici, c'est pas possible. Parce que là, c'est la seule zone où il y a les portes d'Ombreforge à côté qui me bloquent l'accès. Donc ici il y a un truc, j'espère que c'est pas un mob que j'ai tué qui avait la clé, que parce que je suis mort là. Si c'est ça, mais c'est horrible ce qui m'est arrivé. Parce que là, je sais qu'il n'y a qu'un boss et tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. En théorie, j'ai fait le tour ici. Je vais regarder vite fait sur internet, hein, je me spoil. C'est ça, où il y a une quête qui est à l'intérieur que j'ai pas fait, soit il y a une quête à l'extérieur. On va vérifier ça. Voilà, voilà, voilà. Gros classique. Une quête. Bla 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 bla. Bon, on s'en fout. Une quête que je dois faire ici pour avoir la clé nécessaire pour continuer. Parce que là, je peux rien faire, je peux pas aller dans les profondeurs. Bon bah, c'est réglé. J'ai fait tout ce que j'ai pu de ce donjon. Sinon, le donjon, il a pas changé en vrai, hein. C'est le même. Donc au bout, il y a toujours l'empereur sombre fer avec celle qui va succéder justement. Parce qu'on l'aura tué. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un squelette ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Salutations. Ah, tant pis pour lui. Oh, j'ai pas trop de regrets quand même. Je me suis fait pas mal de thunes quand même. Au moins une centaine, c'est déjà pas mal. Alors que j'ai fait presque la moitié, quoi. À plus tard. C'est dommage parce qu'il y a la taverne qui est sympa. Et la zone que je pensais, c'est la zone où il y a plein de mobs qui pop très vite. Il faut tuer deux torches, deux nains torches, pour pouvoir allumer deux flammes, passer un truc et arriver directement à la fin, quoi. J'ai oublié qu'il y avait ce passage. Alors, je vais quand même vérifier. C'est ce que je pense. Et je vais aussi vérifier le PNJ. Dans l'or. Celle qui vend les montures, elle est là. On va regarder le prix exact.
Vous cherchez quelque chose en particulier? Rien de mammouth. Les nœuds. C'est pas intéressant. Ours brun m'intéresse pas. Les coursiers m'intéressent pas. Mammouth de voyage, c'est ça. On a parlé avec Gala, c'est ça, coûte 20 000. J'avais même pas un quart. Et ce un quart, j'ai déjà les dépensés. Innervation! Mais que l'innervation, me fait pas chier. Oh, regardez, je suis encore plus riche que le coffre de guild. C'est scandaleux. Vivement Kata, hein. Parce que c'est sur Kata, je crois qu'il y a les... Il y a les trucs à faire, trucs de guild hebdomadaire qui permet de gagner pas mal de thunes pour le coffre de la guild. Qu'une partie de la thune aussi est transférée dans la banque de guild, tout ça. Besoin d'aide ? Alors, je vais juste vérifier un truc, pour me spoil. Ouh, il y a des calligraphies, hein. Non, il y est pas. Oh, c'est du kata, ça aussi, mais putain, mais j'ai rien. À la prochaine. Comment on utilise bien, hein. Putain, les cartes mystères, elles sont dans kata. En fait, la carte mystère, si je me trompe pas, tu peux toucher un PO. Comme tu peux gagner 200 PO d'un coup. Mais bon, j'ai quand même... quand même farmer un peu de plantes, hein, pour finir la séance. Ça, ça va être de côté. Oh là là. Oh, les époux. Les époux de roude. Les pires. C'est mes époux de roude F de la nuit. Que j'ai réussi à obtenir une période temporaire, parce que sinon c'était du farming extrême à Sombre Lune. Donc faire la foire de Sombre Lune, faire toutes les trucs mensuels en fait de Sombre Lune, participer à toutes les manèges pour avoir tous les tickets nécessaires, pour avoir le stuff qu'on voit sur le druid qui en symbole d'abonnement sur ma chaîne, sur le Twitch, que vous voyez en bannière sur ma chaîne YouTube aussi. Et c'était lui qui était représenté dans mes débuts, avant que ma mascotte apparaisse pour la première fois. En fait, c'est à partir de Kata qu'il y a à peu près tout mon stuff de transmo du druid F de la nuit, que je kiffais énormément. Tout ça pourquoi? Pour jouer une putain de torrent de merde dans un serveur de merde, dans un jeu qui demande un abonnement, donc c'est un jeu de merde. C'est dégradant. Ça, casse-toi. Ça vaut pas de thunes, je m'en bats les couilles. Allez farmer les petites plantes. Je vais faire un échange de plantes, ça sera mieux. Je vais remplir le coffre de guild des trèfles, parce que je crois que les trèfles dorés c'est demandé. Que je vois que les trèfles ils tombent vite. Alors que ces putains de fleurs qui prennent de la place, je vais les prendre et je vais les transformer en encre. Comme ça, par principe, j'ai pas pillé, j'ai juste remplacé. On fait un petit tour à Naxxramas. On est juste à côté en plus. Et
Bon sang, avant je me prenais la tête à faire les trucs quotidiens, hebdomadaires. C'est pour ça que j'avais à peu près toutes les montures, j'avais v'là de la thune à force de faire les donjons. Pour espérer avoir la monture. Quand il y a une monture, malheureusement, c'est un donjon kata. Je pourrais pas le faire tout de suite en solo, il faudra attendre des MOP pour que je puisse le faire en solo. Et encore, je vais galérer un peu. Juste pour récupérer la monture, ma monture. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas pour monter ma calligraphie pour l'instant. Hop, des trèfles, nickel. Je vais aller dans la zone où je peux trouver plein de trèfles partout. Si je tombe sur des packs où je pourrais tuer des humanoïdes pour faire des étoffes de... Enfin, pour avoir des étoffes de tigivre. Au pire de coup. Faut que j'embête Ilu. Hein. C'est lui qui va me faire mes sacs normalement. Allez, c'est parti! Remplissons les coffres de guilde. L'eau dessus givré, je garde. Enfin, je garde. Je les vois pas dans les coffres de guilde, donc ça doit être. Precious. Peu d'étoffe, il y a plein de bûcherons partout. On va en faire un petit ou deux. Oh, je pourrais même faire l'arène, tiens. En théorie, là, je devrais. J'ai le stuff et tout. Je m'attends très bien à l'arène. Ça, je mettrai un peu de thunes. Je mourrai comme un caca, c'est pas grave. C'est la première fois d'ailleurs qu'on me l'a pas fait, d'habitude on me le fait à chaque fois. Et moi je le fais pour les rerolls, mais c'est bizarre. Hein. Parce que c'est une tradition normalement, on fait les donjons. Enfin, on fait les arènes. Ensemble. Et non, c'est pas ça qu'il faut que je farme. Ok, je prends le reste, ça n'est pas de soucis. Alors, ça, calligraphie. Ça. Coffre de guilde, ça, coffre de guilde, voilà. J'ai d'ailleurs vidé mes trucs cristallisés, tout ça, maintenant que je peux récupérer ces trucs. Comme ça, je vais pouvoir vider ma banque, petit à petit. Et c'est là qu'on regrette de ne pas avoir les bons add-ons pour récupérer les plantes rapidement. Mais... je suis un putain de druide! Et c'est ça qui est cool! Enfin, après tout ce temps, j'avais marre de farmer des plantes sur WoW classique là, Vanilla. C'est chiant! Hop là, on s'envole! Ça c'est bien, c'est pour ça que j'adore cette classe. Simple, rapide, efficace. Le farming. Avec le druide, c'est moins chiant. Pas des packs de mobs humanoïdes là, non, il y en a à Grisone. Enfin, j'y suis plus. Hop là, merci beaucoup. Il y a plein de worg, mais je veux pas de worg. J'ai pas vu de viande de worg dans le coffre. J'ai vu que de la viande gelée. Je sais pas quoi ça sert. On m'a jamais donné la recette, mais apparemment, c'est des banquets de poissons. Donc, faut pêcher pour avoir le banquet. Au petit. Bon, ma compétence de pêche elle pue la merde. J'aurais bien un endroit pour pouvoir le EP. Mais la flemme.
C'est long, c'est chiant et pour rien du tout. Ça me ferait mal de l'avoir là et pas sur le sur mon autre compte quoi. Hop. Besoin de deux stacks de trèfles. Et en conséquence, je vais avoir pas mal de ronces, ça c'est cool. Ce que je vais faire à peu près tous les mardis. Après, il faudra me prévenir ce qu'il faudrait comme plante dans le coffre de guilde. Là, l'objectif, ça va être quoi? 25k gold. Ensuite, je garde un peu de thunes de côté. Juste au cas où. Et après, je donne tout à la guilde. J'en ai rien à foutre de la thune, en vrai. Part pour les besoins nécessaires là, donc les marchands de monture et le fly. Alors, du coup il faut que je garde 5k gold pour 14. J'aurai le temps de monter ça. La guilde saura maintenant. S'il y a un endroit où on peut farmer facilement des trèfles, c'est ici. Mais faut y aller quoi. Il y a presque un stack. Je vais dire, putain, j'ai en profité pour faire le donjon du garde. Non, non, t'es 80, Henri, t'es pas. Y a pas le proto-drague bleu. Hein. C'est vrai que c'est alléchant, hein, ça vaut. Même pas si c'est lié ou pas, mais tu peux pas, Ori. C'est un donjon 80 là. Enfin, 70, mais c'est déjà suffisant pour t'en prendre plein la gueule. On laisse tomber une garde. Hop là, un stack déjà. Et bientôt un stack d'orties aussi. Ça, je mets les trèfles. Je récupère ça. Les lys tigrés, on s'en bat les couilles. Et s'il n'y a pas assez de stacks de lys tigrés, je les rajouterai au fur et à mesure, je veux dire. Tant qu'il y a à peu près 6 stacks de lys tigrés, moi ça me convient. Là, il y en a 8. Il y en a 2 qui servent à rien pour moi. Je les récupère. Et je dépose des trèfles, il manque des stacks. Et là, il y a, je crois, 2 ou 4 stacks, je sais plus. Oh putain, faut que je revérifie. Il me semble qu'il y a 4 stacks. Hein. Donc si je peux préparer ça pour la semaine prochaine, c'est déjà pas mal. Hop. On va commencer avec 2 stacks déjà, ça sera cool. Et après je passe la fin, j'ai farmé tout le lys tigré qui traîne. Je sais où il y en a un paquet. Ça va pouvoir monter très vite. Récupérer tout l'encre nécessaire. Comme ça je monte mon métier. Il y aura déjà une bonne chose de faite. J'ai aussi regardé un peu sur internet quand j'aurai l'occasion. Savoir si c'est vraiment Kata ou si c'est White of the Witch King, les cartes mystères. Vous voyez, si j'aurais eu mes 5k gold, j'aurais eu le fly amélioré. Donc j'aurais eu une vitesse bien plus importante et j'aurais pu enchaîner le farming. Là, je suis quand même assez lent. Hein.
Bon, 25 000 gold à récupérer, c'est chiant. Après, on m'a dit si je faisais les 4 journaux à un endroit précis, je peux me faire 700 gold. Enfin, 700, c'est abusé. 70, je crois. C'est 70 gold par jour. Ou par semaine, je sais plus. Ça me paraît beaucoup quand même, 70 gold par jour. Ça permet de monter une réputation qu'on m'a demandé de monter aussi. Que j'ai pas encore fait. Et si je pouvais déjà finir les quêtes de la zone avant de pouvoir faire les quêtes journal là-bas, ce sera déjà un bon début. Mais dites-moi, messieurs. Oh, ça lâche des étoffes, ça. Ça lâche des lames de gitan. Putain, ça a pas lâché d'étoffes. Sérieusement. Serveur, je sais plus. Normalement c'est Crasus. Il est en bizarre, il est pas dans le putain de chien. Crasus hors 2. La ligue des explorateurs. Quoi, t'as un problème toi? Pourtant t'es hors 2 avec moi. Ah lui il monte le minage, donc lui il va pas me faire chier, nickel. Allez, on va se taper le géant. On verra dans 2 extensions. Encore, on le dit et on le répète encore. Quand on aura fait Homme des Dragons, donc Cataclysme, le dernier raid, il y aura beaucoup de monde, moi compris, qui arrêteront normalement. On va pas aller plus loin que Kata, hein, c'est sûr. Ouah, il y a encore plein d'humanoïdes ici aussi. C'était top ça. Oh, ça donne des étoffes, ça. Bien. Ça donne plein d'étoffes. Flopé d'étoffes. À moi. À se faire. Gaffe, hein, c'est mon niveau là. J'oublie, hein. C'est bien en agro, mais c'est mieux que. Faut pas que j'oublie, je suis dans un serveur PVP de merde. Donc, en orphan, je dois protéger mes arrières. Mais ici ils ont pas de PV, bon, hein. On va pas me faire trancher. Hop, la potion. La thune. Hop, y'a des trèfles. Y'a du trèfle ici. Nickel. Non seulement je me fais mes étoffes de Gigi, mais en plus je continue de récolter pour le coffre de guilde. Hop. Zone sympathique pour se faire un peu d'étoffe. Hein. Ah, putain, presque un stack de. Non, c'est incroyable.
que c'est la moitié d'un sac là. J'en ai en plus 3 gars. Dans cette zone. Tout ça me donne rien. On a un doulude. Un autre doulude. Oh là là, ici, des étoffes, il y a de quoi se faire aussi, je crois. Mais je crois que c'est beaucoup plus rare ici parce que c'est abusé. Et là, il y a plein de mobs qui traînent de partout, humanoïdes. Vert. Ce sort n'est pas encore utilisé. À tester quand même. On va se les faire. Ce sort n'est pas encore utilisé. Plus de flèches. Ah, ça a l'air bien parti pour. Hein. Ah putain, il donne aussi. Hein. Si tu trouves le bon pack de mobs, tu te fais. C'est où la guéguerre? Et où les mobs qui font guéguerre? Le mémoire. Bon, il y a moyen de se faire pas mal d'étoffes. Hein. Même si ça vaut pas les étoffes qu'on peut avoir dans les donjons. Ah, c'est là la guéguerre. Allez, parti. On tout ce qui bouge. On ramasse tout ce qui traîne. Attaque, soldat. Ils sont pas cons, ils ont pas mis d'étoffes ici. Allez, on remonte. Ça va être chaud de récupérer des trèfles ici. Là, il y a tous les nouveaux joueurs. Les bons enfants. Même si leur métier c'est secondaire, hein, c'est vraiment l'XP. Hop là. Viens ici. Arbre. Il veut pas prendre des dégâts inutiles. Bon, après il y a là, au niveau des grisons, je sais que je peux m'en faire plein aussi des étoffes. Il y a une autre zone, je sais plus où c'est. Il y a plein de nains qui donnent des étoffes aussi. Hein. Ça je le prends mais bon. Ça, je vais pas les mettre dans les coffres, au contraire je vais les prendre. 440 l'arboriste. En plus étant tauren j'ai le droit d'aller un peu plus haut. Donc, ça veut dire que je serai déjà en avance pour Kato. Ça c'est cool. Même si sur Kata, je vais plutôt me concentrer sur l'archéologie. Il y a de la thune à se faire. Calligraphie. Parce que sur, il y a la carte mystère, ça c'est sûr. Oh putain, mais où-tu givré, je suis un peu béni là. Pas mal. Trêve, ça c'est cool. 17 sur 20. Bien farmé déjà pour la guilde, c'est bien.
Je ne peux pas encore le lancer. De mémoire, ces fleurs-là donnent rien. Eux, ils donnent peut-être des étoffes. En vrai, on s'en bat les couilles. Ah, ici. Là, du humanoïde ici ou pas? Ah, oh, si, quand même. Le gars a tout pété. Bon, ils sont pas assez... trop dispatchés. Dommage. Dans la vraie zone où tu peux te faire un stack de d'étoffes. Je vais vous montrer normalement. J'ai mes deux stacks, c'est nickel. Là, j'ai presque un stack, c'est cool. Ça, on s'en bat les couilles. Ah, faut que je retrouve la zone. C'est dans les gris zones. Et c'est... ça, c'est non. Par parlant, vérifier. Les cobalt là-dedans, c'est les cobalt. Hein. Je crois que les cobalt donnent pas d'étoffe. Ah si si, ils ont. Je sais plus. Je sais que à Désolation, je crois que ça, ils en donnaient aussi un peu. Et on va retrouver la zone qui me plaît là. Ça serait gagné. Après, il y en a plein des zones où je peux avoir des étoffes. Mais là, si je veux vraiment être tranquille, il me faut. Bah, tous les sacs de banque plus les deux sacs là, sachant que ça c'est Illu, ça c'est Halloween. J'en ai deux autres d'Illu qui, même trois autres je crois qui sont dans la banque. Après c'est des petits sacoches de merde. Hein. Donc, il est urgent que je récolte le maximum d'étoffes. Même s'il y a des gens qui commencent à remplir le coffre de guilde plein d'étoffes, on sait pas quoi en faire. Je vais pas m'amuser à les prendre comme ça, au cas où il en aurait besoin plus tard. Quoi. C'est bizarre d'ailleurs qu'on n'a pas encore de rouleau de rouleau d'étoffes, parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup d'étoffes dans la banque. Je sais que généralement, dans tous les guilds auxquels j'étais, en tout cas, c'est, dès qu'il commençait à y avoir beaucoup trop d'étoffes, ils prenaient une partie des stocks, ils en faisaient des rouleaux, comme ça t'avais 2-3 stacks de rouleaux et le reste c'était que des étoffes. Ah, mais ici aussi, c'est vrai que tu peux te faire plein d'étoffes ici. Ça faire ça. En plus, j'ai les deux factions dans la gueule. Hein. C'est-à-dire que là, je vais être ennemi avec les deux factions. C'est ça qui me tire dessus. Je vais me toucher. Ça, c'était le vautour. Toujours de la thune. Toujours de la thune. Fais gaffe, hein. Non, c'est pas vraiment là que ça m'intéresse. C'est une petite zone, je sais plus où c'est. Je sais que là, ma météore, elle serait rentabilisée de ouf. Par contre, je risque de mourir aussi rapidement. C'est ça le problème, c'est... la double tranchant. Les trèfles. Là, je prends. Au cas où. Hop. Même si j'en ai fermé trop, c'est pas très grave, je garde de côté comme ça, ça monte mon métier.
faire les encres. Bon, si on finit au moins la séance en montrant la zone en question. Mais je sais vraiment plus où c'est. C'est un camp. J'ai fait les quêtes dessus en plus, vu que j'ai fait les quêtes dans les grisomes. Zuldrek, il y a plein de trolls aussi, là aussi on peut se faire pas mal de, d'étoffes. Ah, est-ce que c'est là? Oh, il est vide. Ah, c'est le chantier Ali. Ouais, on s'approche pas. Pas de trèfle ici. Oh, les blobs. Et ouais, les trois zones, donc il faut entrer dans la caverne, tuer un truc. Juste pour prendre les mesures à la con. Hop, 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 hop. Dis donc, on n'est pas loin, ouais, c'est là. Ce sort n'est pas encore utilisable. D'habitude, ça lâche des trucs. Comment ça se fait que là, dis donc. Ce sort n'est pas encore utilisable. Je peux rien récupérer. Oh merde, c'est con ça. Oh putain, la quête, non, c'est ici. Oh, c'est une quête Ali. Je crois que c'était... Non, c'est pas une quête Ali. C'est une quête Ali, la quête des toilettes. Oula. Permettez-moi de vous tuer deux secondes, les idées. Ah, non. Fermé. Par curiosité, je me permets de vous tuer. Par curiosité, je me permets d'en tuer un peu plus. Enzo. Par curiosité, je me permets de prendre l'aggro à tout le monde là. Je dois d'abord choisir une cible. Ah si, ça donne de l'étoffe ici. Donc du coup, si ça repop vite, moyen. Il y a moyen de se faire un peu ici. Je ne peux pas encore le lancer. Récupérer ça et on va s'arrêter là. Allez, let's go. On va faire notre transaction dans la guilde. On va déposer nos trèfles et on va récupérer les lys qui me cassent les couilles. Si on m'en veut, j'irai en refarmer. Hein. C'est pas comme si c'était pas chiant, hein. Franchement. Tu vas au bassin, tu longes les rivières, ça y est, t'as tout ce qu'il faut, quoi. T'as au moins 3 stacks. Joli Drake. Jolie moto. Joli cheval. Joli oiseau. Et je vais toutes démonter rares. Allez, transaction. Putain, il n'y avait que 3 stacks depuis le début. J'en ai fait que 2,5. Alors ça, je ne veux plus en voir. Ça, je ne veux plus en voir. Langue de serpent, c'est ce que je pensais. Et moi, j'ai déposé ces trucs-là. Hop.
hop et hop, voilà. Comme ça, là, on a nos 6 trucs. Là, on a les 6. Là, on va avoir les 6. Voilà, on a nos 6 stacks. Là, on en a que 5 sur 6. 5 sur 6. Et là, j'ai de quoi faire 4 stacks de langue de serpent si j'arrive à en récupérer. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Donc on n'en voudra pas si je récupère ça, comme ça l'hélice c'est bon. Et du coup, tous les lits centraux, je me permets le sacrilège. Putain, les pigments. Le truc coûte 1 gold 50 et là j'ai que 1 50 de PA. C'est vraiment un métier de merde, hein, de A à Z. Métier le plus scandaleux du monde. Hein. Pigment glacé, ça me plaît. Ah, 2 pigments glacés. C'est pratique pour faire des cartes. Ces cartes de tarot. C'est ça. Par contre, faut que je vérifie si les cartes mystères ça nécessite ou pas ce qu'il faut. Du coup, un plaisir de vous rencontrer. Ça, je ne dis pas. Ça, je ne dis pas. Je récupère tout ce que j'ai jeté. Donc, lueur de lune, ça va là. Ça, ça va un peu plus haut. Tout ça, ça va là. Ça, ça va là-haut en fait depuis le début. Ça, ça va là. Dans l'autre sac. Du givré, je le garde de côté. Tout ça, c'est bon. On va pouvoir tout remettre en place. 425, encore un peu. Les véhicules, tout ça, je garde. Ça, ça dégage. Cas d'esprit, ça me saoule. Ça, je garde pour l'instant. Le pantalon que je garde, c'est pour les expériences. Ah, j'ai bien 3 sacs encore. Donc ça, je vais pouvoir vider mon coffre de banque pour tout donner à la guilde. Puisque comme maintenant j'ai tous les droits, prenez pour faire mes petites transactions sans pour autant piller le coffre. C'est parti. Hop, hop, ça j'ai pas assez, nickel, ça j'ai pas assez, nickel, ça j'ai pas assez, nickel, pas assez, nickel. Par contre la vie, je vais pouvoir faire ça, en déposer un de plus, voilà, comme ça, je suis plus embêté par les trucs cristallisés, donc nickel. Et ben voilà, dernière étape. Commencer à farmer notre encre. Ah ouais, je suis déjà en zone verte avec ces encres là. C'est horrible. Oui, crypto tout. Besoin d'aide. On va vendre des trucs là. 8 PO. Pas mal ça. Farmer des étapes plus souvent. Ouais, on en fait une petite dizaine déjà. Allez la luck, monte ma compétence. Voilà. Et de deux. De trois. Allez. 355, allez bim. Je t'ai pas demandé de tout créer, je t'ai demandé une dizaine, mais c'est pas grave. Au moins, l'encre, bon, je suis au niveau max, du coup. Vous êtes d'une belle taille. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant, je suis obligé de monter les glyphes comme ça. Pour avoir de l'encre tombe neige après. 375.
Ah ouais, abusé. Oh, ça va encore. Alors c'est ça qui est cool, c'est que je peux utiliser toute langue que je veux pour faire des parchemins et du coup ça augmente plein de trucs. Augmente l'esprit, augmente que des niveaux 7. C'est pourquoi pas me demander de farmer énormément de plantes pour avoir faudrait 6 parchemins par personne. Genre 6 fois 10, il faut 60 parchemins par séance. Chiant. Encore, c'est des parchemins différents. Heureusement, ça demande qu'une encre et pour en faire deux. Donc ça va encore. Ça aurait coûté plus d'encre, ok. Là, ça fait mal, mais là, ça va. Bon, j'avais dit que je vérifierais une dernière chose avant de partir. Wow. Carte de bonne aventure. Que ça s'appelle les cartes de bonne aventure. J'adore. C'est tellement bien foutu aujourd'hui. Les guides, les conseils. Depuis qu'il y a le WoW classique, 5000 PO quand même. Carte de bonne aventure mystérieuse. Fabriquée, voilà, c'est ça. Alors, dis-moi, ça vient d'où ? Enseigner. C'est de la calligraphie. Et c'est du 14. Fichier. Putain. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bon, c'est dommage, faut que j'attende Kata encore, putain, y'a tout. Tout pour me casser les couilles. Blablabla. On me dit pas.
La partie entre 300 et 375 est la plus simple à monter. Combien il y a de types ? 9, dont une inhabituelle. Et donc j'utilise 1, 2, 3, 4, 5 sur 9. Avec les trèfles dorées, le lys tigré, la rose de Talandra, la glace épine, la fleur de liche, la langue de serpent, la feuille de feu. Ouais, bon, y a pas grand chose. Hein. On est sur un métier qui est clairement pas rentable de A à Z. Tant qu'il n'y a pas Kata, c'est pas rentable. Adieu. Partant de Kata, les couilles en mort. Et là... De la merde. Tout est de la merde. On peut pas faire des parchemins pour augmenter les compétences et de la calligraphie, donc à savoir ça, des glyphes. Les glyphes qui sont là. Les glyphes. Voilà. Trois glyphes majeurs. Et en plus, c'est dégueulasse parce que... Tu peux changer tes glyphes, normalement. Normalement, t'as une barre de glyphes à droite. Non, vraiment, en vrai, le jeu qui m'intéresse le plus, c'est Kata, quoi. C'est pas... Je me pose quand même parfois la question. Moi qui est joueur Kata de base, je me pose quand même la question comment ils ont fait pour vraiment s'amuser sur ce jeu, quoi. C'est... Kata a vraiment débloqué toute la simplicité même. Qui me manque, mais énormément, j'arrête pas de le dire que Kata, ça me manque. Toutes les nouveautés, tous les trucs qui ont permis d'avoir un très bon jeu, quoi. Là, c'est vraiment... Pourtant, c'est le meilleur, on m'a dit. Breath of the Lich King, c'est le meilleur. Bah là, ça me fait chier, quoi, à chaque fois. Y'a tout qui me fait chier. Le c'était mieux avant, ben c'est non. Pas avec moi. Bon, enfin bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup vendredi pour notre séance Genshin Impact à l'aventure compagnon avec soirée cache-cache qui va être assez rapide. On se retrouve pas samedi, attention, on ne se verra pas samedi, raison personnelle. Nouvel an, tout ça, donc ça c'est... Ça voilà, c'est... Autant réveillon, on m'en fout un peu, autant là, non. Le nouvel an, c'est un peu compliqué. Ensuite, on se retrouve lundi pour la suite et peut-être la fin de The Legend of Zelda Oracle of Edge. 8e donjon, je suis juste devant. Donc, est-ce que j'aurai le temps de faire et le 8e donjon et la fin du jeu, je ne sais pas. Ça dépend. Soit j'ai une séance comme ça et que je fais de la prépa pour vraiment avoir ce qu'il faut, soit voilà quoi. Et enfin, on se retrouve mercredi prochain pour le retour de Naxxramas, je pense. Donc, des PO à se faire. D'ici là, je vais monter ma compétence de calligraphie. Je vais continuer à remplir les coffres de guilde de plein de plantes de tout type. Pour que je regarde au niveau de l'alchimie quelle plante est vraiment importante pour les flaques. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis bonne et plus. Ciao, c'est Jean.